amis, nous allons continuer avec la suite de notre exposé de la semaine dernière sur les aliments. Mais avant, je vais vous donner une devinette et j'attends une réponse exacte à cette devinette. Vous y êtes? Nous y sommes. Très bien. Consommée depuis l'Antiquité, elle constitue l'une des bases de la nutrition humaine grâce à son équilibre alimentaire en glucides, protides, lipides et sels minéraux. Il s'agit de... Oui, la douce. C'est... Il s'agit de... C'est pas vrai, monsieur, j'ai perdu le mot. Il y a du silence. Mademoiselle, mademoiselle, vous avez passé la nuit où? Hein? Allez, debout. Répondez à la question, il s'agit de... Il s'agit de... C'est un aliment complet. C'est pas possible, ça. Hein? Donc, il n'y a personne pour me donner la réponse exacte. Donc, je passe tout mon temps à prêcher au désert. Si, monsieur, j'ai la bonne réponse. Oui, Calvino. On t'attend. Monsieur, c'est... Monsieur, il s'agit de la farine gamoulin. C'est très bien ça, Calvino. Voici donc un exemple d'aliment complet, riche en protides, glucides et sels minéraux. On a pris très fort pour Calvino. Encore une fois, c'est bien, Calvino, ça fait plus 5. Merci, monsieur. Très bien.